Et salut à tous, c'est Chamallow et je vous retrouve pour un nouveau let's play sur Yo-Kai Watch 2 Honkai. Et oui, en attendant le 1 qui est sorti d'ailleurs aux États-Unis il n'y a pas très longtemps. Il paraît que le jeu a eu un énorme succès là-bas, je sais pas trop encore, j'ai pas énormément de retours. Mais c'est vrai que j'ai vu, enfin j'ai pu entendre que quand même le jeu est vraiment là et les gens l'attendaient vraiment. Donc j'espère que ça va bientôt arriver en France. Il n'y a pas eu d'annonce dans le dernier Nintendo Direct, donc je comprends pas du tout d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave, patience les amis. Pour l'instant, vous regardez mes vidéos si ça vous fait plaisir. Et le jeu devrait arriver normalement début 2016. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? J'ai prévu de vous faire un événement, un DLC. Alors, ce DLC, c'est en fait plein de petits minous et encore des chats. Hein. Je pense que la vidéo s'appellera comme ça. Et donc, c'est des petits minous version fruits. Voilà, donc j'ai pu tous les débloquer en fait. Donc, je vous mets les QR codes dans la description si vous avez le jeu japonais. Je sais pas du tout si ça pourra marcher sur le 2, la version 2 européenne. J'espère, enfin, ce serait bien que vous puissiez directement les avoir. Mais en tout cas, pour ceux qui ont la version japonaise, n'hésitez pas à scanner les codes. Alors, donc, on va commencer, je sais pas du tout par quel commencer. On va tous les faire dans la vidéo et après, si je les ai, j'arrive à les capturer, je vous montrerai leurs caractéristiques et leurs petites attaques. Donc, on va commencer par Kiwinyan. Allez, c'est parti. Donc, les minous, en général, ils aiment bien les barres chocolatées. Alors, ça serait bien que je puisse l'empoisonner. Voilà, très bien. Bon, ça a raté. C'est pas grave. On va essayer de ça. Ça serait bien que ça puisse l'empoisonner avant sa mort. Que je puisse faire le petit tape-cœur. Voilà, très bien. Alors, hop, on va essayer de trouver les cœurs. Voilà, ici. Donc, c'est sur l'écran du bas. Et c'est raté, quel dommage. Bon, c'est pas grave. On va passer à Fuyu. Non, pas Fuyunan, Mikanyan. Donc c'est Orange Nyan en gros. Hop, on n'a plus qu'à attendre. Alors il me semble qu'ils sont niveau 50 quand même. Donc c'est pas rien. On va essayer de trouver le tape-cœur, mais c'est bizarre, j'arrive pas à l'avoir. Ah le voilà. Alors je vous rappelle, le tape-cœur, en fait, c'est pour avoir un deuxième cœur en tapant le yokai lorsqu'il est empoisonné. Donc voilà, ça permet d'augmenter les chances d'avoir le yokai à la fin du combat. Et ben c'est encore raté, on n'a pas de chance aujourd'hui. Melanian, le melon. Donc c'est parti. Thank you.
Et c'est toujours raté, alors j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Aucun yokai ne veut venir dans mon équipe. Alors maintenant, Raisin Nian, alors Budo Nian, pour être plus précis, en version japonaise. Non, j'ai pas fait des attaques spéciales parce que bon, c'est quand même relativement rapide. Et c'est encore raté, donc je crois que ça va être que des ratés aujourd'hui, j'ai pas du tout de chance. Donc Ichigo Nian, donc version fraise. Alors j'ai plus de chocobar, dommage. C'est pas grave, on va quand même croiser les doigts pour que ça marche. Alors les petits cœurs, où ils sont? Voilà, ici. Alors Happy niveau 33, c'est plutôt bien. Alors on croise les doigts. Et c'est encore raté, bah j'ai pas de chance. On va croiser les doigts pour le dernier. Donc Suikanyan, donc Pastèque-nyan en gros. Est-ce que j'ai eu des nouvelles chocobars? Non, je n'ai toujours pas eu de chocobar. Essayez de trouver le tape-cœur, le voilà. Alors plus vous le tapez vite, plus ça augmente le pourcentage en fait. On va dire deux captures, donc il faut vraiment essayer de le faire rapidement. Et voilà, alors on va croiser les doigts, au moins avoir un yokai char. Enfin, j'ai un yokai chat fruit aujourd'hui. Et c'est raté, alors les amis, je crois que c'est mort. Alors je vais faire cette vidéo sur 2 jours. Et je vous montre donc, une fois que j'aurai capturé tous les petits minous, leurs attaques. À tout de suite. Et donc on se retrouve avec tous les petits minous version fruit. Alors je leur ai donné certains des surnoms, alors sauf Melon Nian, enfin je trouvais ça pas très joli. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Alors pour Mandarinian, enfin Manian, voilà, pour Orange Nian en gros, Kiwi Nian ça change pas, Vignian parce que le raisin, la vigne, tout ça. Frésini parce que bah c'est un petit chat avec la fraise, voilà, et Pastéquignan, alors c'est vrai qu'on pourrait rajouter Pastéquignan, mais j'ai pas beaucoup de place. Donc voilà, donc j'espère que bah, ces petits minous vous les trouvez mignons. Alors j'ai pas fini, maintenant je vais vous montrer un petit peu leurs attaques.
Allez, c'est parti, on va croiser les doigts le temps qu'il se tue pas tous. Alors on va essayer de faire l'attaque de Magnan en premier. Alors lui, il les achève tous, carrément. Donc lui, c'est à peu près la même attaque que Jibanyan, en fait, hein. Et pour les trois autres, on va essayer de trouver un autre yokai qui traîne dans les parages. Voilà. Alors l'attaque de Frezini maintenant. Alors lui carrément, il met le feu à tout le monde. L'attaque de Vignane maintenant. Merci Frezini, sauf que bon, c'est pas grave, on va essayer de trouver un autre yokai pour terminer les deux autres. Attendez, il y a un petit objet ici. Oh cool, une orbe. Donc voici l'attaque de Vignan et pour finir l'attaque de Pasteki. Oh tiens, un nouveau yokai. Alors je sais pas du tout si je l'ai, on va l'accepter, mais franchement je pense pas l'utiliser. Donc on va voilà, juste le prendre. Montez-toi, merci. Hop, pas de surnom. Non, je l'avais pas, bah c'est bien. Alors donc pour finir, je vais vous montrer vite fait leur petite version dans le catalogue, je veux dire. Donc Merunian, voilà, il est vraiment trop mignon. Ensuite donc Mandinian, je sais plus comment je l'appelais, Maninian, bon Mandian, voilà. Mikanian, Kiwinian, voilà. Vinian, Frezinian, Frezini, je sais plus comment je l'ai appelé. Et pour finir,
Pastekinian, alors Pasteki. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas, si vous avez le jeu, de prendre les QR codes dans la description, à très bientôt, salut!